Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Merci d'être là encore une fois ce soir à Studio 101 et aux Marines Cabaret. Présentation de Volkswagen Sorel-Tracy, de la bijouterie Daniel Blette, de CJSO et du Marine Cabaret. On commence la soirée avec un de mes coups de cœur. En 2014, je l'ai reçu à aller au showbiz. On a eu vraiment un gros coup de cœur pour lui. Il est revenu nous voir cette année et là, il est à Studio 101, Mathieu Lippé! Bonsoir, mesdames et messieurs de Sorel. Comment allez-vous? Wow, c'est le fun, ça. Content d'être avec vous. On va te dire bonsoir et bonjour à toutes les gens de la radio qui nous écoutent aussi, n'est-ce pas? Allô, tout le monde! Il était une fois un roi. Un roi accablé d'une lourde tristesse. Le roi s'en va voir son ami le joaillier, lui dit « Ami joaillier, peux-tu me faire une bague, un bijou, quelque chose qui ferait en sorte que je redevienne joyeux à ma prochaine tristesse? » Il était triste ce roi, probablement une histoire d'amour. Alors l'ami joaillier va fabriquer une bague. Et sur cette bague, c'est écrit la phrase suivante « Tout passe ». Il dit « Ouais, mais pourquoi tu me fais une bague sur laquelle c'est écrit « Tout passe » ?» Alors le joaillier a dit ceci, les mots qu'il a dit, les voici, il a dit « Le jour où tu vivras de nouveau une grande tristesse, tes yeux effleureront la bague et tu te rappelleras que tout, mais tu ne seras pas dupe, car lorsque tu vivras de nouveau un moment de grande joie, comme ce soir peut-être par exemple au Marine Cabaret, tu sauras saisir au maximum la beauté du monde qui t'entoure ou les nattes choses qui passent, car tu te rappelleras que justement tout, ton cœur à la cannelle, ton cou reflet d'or, ta jeunesse éternelle, tes cheveux dans l'aurore, ton barbecue, ton patio terrier, tous tes bons coups et toutes tes misères. Tout passe, oui, tout passe, tout passe. Tout passe, oui, tout passe, tout passe. Mesdames et messieurs, pour ce spectacle avec vous ce soir, je suis accompagné par mes musiciens invisibles et j'ai nommé, à ma droite, Olaf Gundel à la guitare électrique! Il y a de l'ambiance! Benoît Morier à la contrebasse! Ta belle maison bâtie avec le temps, mille saisons pour voir grandir tes enfants. Et si tu t'attaches, c'est sûr tu seras perdant. Et si tu te détaches, te sentiras-tu vivant? Car tout passe, oui, tout passe, tout passe. Tout passe, oui, tout passe, tout passe. Mesdames et messieurs, à la batterie ce soir, venant tout droit de Los Angeles, Pete Petto! Solo! Vous avez beaucoup d'imagination, c'est bien. Tu vois ce trésor que tu as tant désiré, il sera dans la mort comme tes rêves dans la fumée. Et quand il ne sera plus le tien, il prendra de l'ampleur. L'amour laisse à jamais une absence dans ton. Mais tout passe, tout passe. Tout passe, oui, tout passe, tout passe, 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 tout Bon, mais ça me fait plaisir d'être ici, hein? Vous avez une bonne oreille. Les chansons, c'est comme des semences
et ça pousse dans les meilleures terres fertiles des écoutes. Alors merci d'écouter aussi passionnément les chansons ce soir, ça va être le fun. Voici une chanson que j'ai lancée en avril 2016, qui était la première chanson, le premier single de l'album Les Amants de l'Aube. C'est une chanson qui s'appelle Tout autour. C'est quand même grand ce plaisir que tu as à voir le beau dans tout ce qu'il y a. Tout autour de nous, tout tombe, et pourtant toi tu te lèves. Tout autour de nous, tout tombe, mais une étoile brille sur tes lèvres. Sens-tu battre mon cœur? Sens-tu battre mon cœur? Sens-tu battre mon cœur? Sens-tu battre mon cœur? C'est quand même fou qu'on ait pu se donner rendez-vous sans même s'en parler. Tout autour de nous, tout tombe, mais une chute, toi tu fais ta chance. Tout autour de nous, tout tombe, mais d'un tremblement, toi tu fais ta danse. Sens-tu battre mon cœur? Sens-tu battre mon cœur? Sens-tu battre mon cœur? Sens-tu battre mon cœur? C'est quand même fort après ce qu'on a traversé qu'encore le destin soit renversé. Tout autour de nous tourmente quand nos regards se détournent du passé. Tout autour de nous tourmente, j'en oublie même le calendrier. Tout autour de nous tourmente quand une chute, toi tu fais ta chance. Tout autour de nous tourmente quand d'un tremblement, toi tu fais ta danse. Sens-tu battre mon cœur? Sens-tu battre mon cœur? Sens-tu battre mon cœur? Sens-tu battre mon cœur? Voilà, merci. Mathieu Lippé. Salut Mathieu. Salut. Comment vas-tu? Ben ça va très bien. Merci d'être là ce soir. Merci à tes nombreux musiciens. Oui. Ils ne coûtent pas cher. C'est un peu serré sur scène ce soir, il y a beaucoup de monde. Mathieu, dans 9 jours, c'est ta rentrée montréalaise. Ouais. J'espère que je ne te rends pas nerveux. Non. Je suis déjà. Spectacle avec invité. Oui. Valérie Carpentier, Ariane Brunet sera là, Alexandre Desilets aussi. Pourquoi tu as voulu faire ta rentrée avec plein de monde comme ça? Ah, ben écoute, je pense que c'est une grande fête, puis c'est l'occasion de fêter, puis plus on est de fous, plus on s'amuse. Et puis c'est des gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dernièrement. Ariane, comme on va le voir tantôt, j'ai participé à l'écriture de son album Stella. Au fil des rencontres dans le métier, on est devenus des amis. Puis après ça, Alexandre Desilets, ça c'est quelqu'un, tu sais, je veux dire, Montréal, c'est la ville des hasards ou les synchronicités dans la vie, peu importe. Hein. Puis Alexandre Desilets, c'est quelqu'un que je croise depuis mon arrivée à Montréal depuis 10 ans. C'est peut-être un des artistes musiciens que je croise le plus souvent. OK. Fait qu'on a devenu... Pas nécessairement dans les événements. Là, dans la rue, dans un café. Écoute, pour te dire, quand je l'ai appelé pour l'inviter pour ça, j'étais assis dans une terrasse à Montréal, sur une terrasse à Montréal, au Pizzé des Lics, là, précisément sur Mont-Royal. Ouais. Et là, je
on parle de ça, ça serait le fun d'inviter Alex. Je l'appelle, puis je dis, t'es où, Alex? Il dit, je suis sur Mont-Royal, je marche, puis il s'en venait. Fait que finalement, je dis, ben justement, ça tombe bien, j'aimerais ça te parler. Fait qu'on s'est fait le rendez-vous comme ça. Puis quand je l'ai rappelé pour lui dire l'heure de la répétition, je quittais Val-David dans les Laurentides et je redescendais vers Montréal. Puis là, je l'appelle. Il dit, ah, excuse-moi, ça fait du bruit, je suis en voiture. Je dis, ah, ouais, moi aussi, je suis en voiture, tu t'en vas où? Il dit, je m'en vais à Val-David. Fait que c'est un peu ça, ça résume un peu. Puis fait que c'est un artiste aussi que j'admire et que j'apprécie grandement. Fait que je l'ai invité pour. Et Valérie Carpentier. Et Valérie Carpentier, que j'ai rencontré grâce à un spectacle qu'on a fait à Granby, hommage à Jean Leloup. Oui. Puis on faisait une chanson de Jean Leloup, on faisait. Donc il y aura des rivières. Oui. Puis on a super bien connecté, fait que je l'ai invité spontanément, puis elle a accepté. Ouais. En plus de ton spectacle, il y aura pour les gens qui vont être sur place au Théâtre Outremont une exposition de toiles. Ouais, non, ça, c'est annulé. Ah, ça a été annulé. Ouais, bon, j'avais ça dans ma recherche. Ouais, mais les toiles qui étaient là à ton lancement, j'imagine ouais. que c'était la suite oui, c'était ça, de ce l'idée. Projet-là. Oh, c'était ouais. ça l'idée, puis finalement, on avait mandaté quelqu'un, puis cette personne-là, ça n'a pas marché. Ça arrive, hein, des fois, tu fais des idées, mais on l'avait fait pour le lancement. Ouais, puis il y a eu parce que ton lancement a été fait sur 3 jours. Ouais. Ça a été multidisciplinaire. Ouais. Avec plein de choses à ce lancement-là. Exact. Le déclic de tout ça. Évidemment, toi, t'aimes de tout dans les arts. Ouais. Ça part de là, j'imagine, ça part de toi. Oui, comment c'est arrivé cette histoire-là? Je pense qu'à un moment donné, ça a commencé par une personne avec qui m'a proposé de faire une toile sur une chanson. Puis là, j'ai dit, tant qu'avoir une toile sur une chanson, ce serait le fun qu'on en ait pour les 12. Puis ça a découlé comme ça. Puis Alex Nevsky qui a fait son lancement d'à peu près un peu avant la. Quelques mois avant, puis il a fait un espèce comme ça, puis je trouve que ça avait ouvert une porte magnifique à cette possibilité de changer un peu c'est quoi, faire un lancement, mais de dire, ah ben on peut faire une fête qui dure plusieurs jours. On a tellement de travail pour faire un album, puis le lancement est trop vite passé. Ah, alors, oui, voilà, c'était comme de célébrer ça d'une manière plus longue. Les bonnes choses, on aime ça, tirer ça, les bonnes choses, non? En tout cas, moi, j'adore ça. C'est comment de voir ces chansons en toile? Hey, c'était très intéressant d'ailleurs, comme j'ai fait quand il y avait tout, c'était dans une petite galerie, il y avait toutes les toiles qui étaient là, puis j'ai accueilli des jeunes du secondaire, environ secondaire 3, secondaire 4, okay. qui sont venus dans l'après-midi, et je faisais les chansons, je faisais une chanson, puis je disais, d'après vous, quelle est la toile ah oui, okay. qui représente cette chanson-là, puis là, on faisait des discussions entre les jeunes, puis qu'est-ce que tu penses que cette toile-là représente, etc., etc. Donc, c'est très intéressant, puis souvent, moi, je vois beaucoup des couleurs. Tu sais, mettons une note, il y a certaines couleurs. Comme par exemple, pour moi, tu sais, mettons un sol, c'est quelque chose de très, très lumineux, très orange dans les teintes de jaune. Mais si je fais un fa mineur, pour moi, c'est du bleu. C'est du bleu nuit. Donc, est-ce je sais, que. Ça peut avoir de la forme. Non, mais est-ce que les toiles correspondaient aux notes? Donc, oui, est-ce que les couleurs avaient les mêmes. C'est ça que okay. je veux dire. Il y a des chansons que j'imaginais en bleu foncé qui ont été faites en bleu foncé, okay. entre autres. Donc. Je trouve que il y a peut-être une loi. Il y a peut-être une loi ou quelque chose de réel dans ça. T'sais. La chanson « Les amants de l'aube » joue beaucoup ouais. à la radio. Ouais. Toi qui as fait du slam, donc qui tourne ouais. moins ouais. dans les radios, évidemment, ouais. voire presque pas ouais. dans les radios. C'est comment de l'entendre et de voir qu'elle joue à ce point dans les stations? Ah ben, c'est toujours, tu sais, ça c'est comme... À la radio, le plaisir de jouer dans les radios, c'est fabuleux. Ça, c'est plein de petits plaisirs. C'est rare que moi, je m'entends moi-même. Okay. Ça arrive. Ce qui est drôle quand je m'entends moi-même à la radio, c'est que pendant... Tu sais, je pense les premiers dixièmes de seconde. Tu sais, j'entends quelque chose, puis ça me dit de quoi, ça? Tu t'en reconnais pas? Sur le coup, je m'en reconnais pas du temps. Mettons ouais. que j'étais à l'épicerie, puis à un moment donné, j'entends un truc, puis je dis, « Ah, je connais ça! Hey, c'est moi! » ça, c'est le fun, mais ce qui est le fun aussi, c'est tous les gens qui t'entendent, qui t'envoient des petits mots, puis surtout les gens qui finissent par chanter tes chansons des fois aussi. C'est très agréable, moi. Mathieu, on va entendre encore 2 chansons après la pause. Oui. Alors, on revient après la pause à Studio 101, et au Marine Cabaret. Yes!